sur un jeu qui n'est pas encore sorti sur Xbox One. Car je stream sur Xbox One. Pour ceux qui le connaissent, hein. Vous le savez déjà. Ok, alors c'est Riddle Corpses X. Je vais baisser un peu le son, ça gueule un peu. Hop. Je mets comme ça, je pense. Ouais, donc c'est Riddle Corpses X, un jeu donc. C'est un twin-stick shooter, de ce que j'ai pu voir. C'est donc développé par Diabolical Mind et édité par Cowcat. Voilà, voilà. Alors on va se tester ça de suite. Je n'ai pas encore eu le temps et l'occasion du coup de jouer au jeu. Donc on va tester ça maintenant. C'est les mêmes gars qui ont fait. Ils avaient fait déjà un autre jeu il y a peu de temps, du moins sur Xbox, pareil. Ça va revenir ça. C'était un roguelike, je crois. C'était un petit roguelike assez sympathique, dans le même style graphique d'ailleurs. C'était Xenon Valkyrie Plus, voilà. Pas dans le même univers à peu près. Donc là en gros l'humanité a voulu créer une sorte d'arme pour éradiquer le monde, enfin pour éradiquer le mal, je veux dire, éradiquer le mal sur Terre. Donc voilà, voilà, voilà. Et du coup en fait cette arme là s'est retournée contre eux et a déclenché l'enfer sur Terre, un peu comme dans Doom en fait, voilà. Et du coup tous les humains sont devenus des zombies. Et on va devoir lutter contre des hordes de macabres, voilà. Ça va être sympatoche. Alors, bataille de dessus. Bande son classique. Ou moderne. Ouais, on va laisser plutôt la version old school. Sympatoche. On va faire. Alors, screen. Voilà. Différents filtres. Il y a le côté pixelisé. Ça fait un pixelisé assez lisse. Là, c'est un écran cathodique là. Là aussi. Un peu arrondi. Un arrondi fou, comme c'est le truc basique. Après le retour. Bon, ça m'a l'air de... correct, ouais. Donc ça c'est good. Les contrôles, alors, comment on joue? C'est quand même la base. Alors, on va déplacer avec le stick gauche, check le stick droit, bah normal quand tu es twin-stick shooter à la manette. Hein. Pause, montrer ou cacher le HUD, click back, ok, dynamite. A, tourelle, time clock, ok, avec les trois boutons, A, B, X, ok. Déplacement, on s'en fiche, survie, on s'en fiche, arcade, story. On sait pas story. Alors, récupérer de l'argent pour augmenter votre personnage, en gros, débloquer nos personnages. Ou des armes pour votre prochain run, donc il y a un petit côté roguelike peut-être aussi, je pense. Commencer à partir de n'importe quel stage que vous allez débloquer. Ah, c'est pas mal ça. Cool. Bon, j'ai le choix entre 6 personnages, mais j'en ai que un seul débloqué, on dirait. Ouais. De ce niveau. Hein. Les personnages sont améliorables, ça c'est cool. Avec du level up, avec avec de l'équipement et des upgrades. C'est cool. Bon, on va commencer du coup avec John. Pas le choix. Let's go. Nous sommes encerclés. C'est pas ça. Ah donc c'est parti. Alors ça c'est la carte du monde en gros. Ça fait vraiment une carte assez old school. Sympatoche. Alors bye. Ah donc on peut acheter donc 3 items, donc l'item de soin, la dynamite et un ralenti je pense, ou un arrêt du temps, en tout dans le style. Donc les 3 items, mais bon ça je pense pas que ça vaille vraiment le coup de dépenser l'argent pour ça. Je préfère plutôt améliorer le personnage. Et de toute façon, dans tous les cas, j'ai pas d'argent. Comme ça.
Commençons. Donc, il y a une progression de la... De l'art zombie, en gros, voilà. Ok. Pas trop mal. Au moins, on en sait à quel niveau on est. C'est plutôt basique, mais efficace pour l'instant. Sympatoche, ouais. Ça se déplace, ok. Combo! Allez, vague 2. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je dégomme le véhicule? C'est une big explosion. Ouais. Ils crament tous. Ok. Putain, combo 35. La vache. Va vite les combos. Oh, de nouveaux ennemis. Le mec qui me tire dessus. Pas trop ça. Le baril, la vache, il fait en quoi? Inès. Non, à moi l'or. Aïe. Du coup, j'ai pris un coup, mais où est ma vie? Je vois que j'ai 3 vies. Aïe. Ah, d'accord, donc c'est simple, tu perds une vie à chaque fois. Okay. Merde, qu'est-ce que je me suis mangé? Mauvais. Je me laisse acculer, même pas ça. Ouch. Ah, c'était pas passé loin quand même. Game over. Succès déverrouillé. First death. Ouais. Mourir une fois. Dans n'importe quel mode. Ok. Alors. D'accord. Débloquer donc un personnage en terminant le mode histoire. Un autre en ayant niveau 20 avec 3 personnages bien précis. Chloé, Lyri et Faël. Une nouvelle arme, on dirait. MK1000 machine, je sais pas c'est quoi. Et une tourelle. Putain, ça coûte comme 10 000. Kyros. Ben, améliorons. C'est meilleur produit, ça. C'est vraiment tourelle. 100, ouais. Du coup, j'améliore le personnage, mais je sais pas qu'est-ce qui change. Parce que ça augmente. Ah, le tir. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Ben voilà. Plutôt que de tirer une boule à la fois, j'en tire 4. Parfait. J'avais le flingue niveau 4 en gros. Cool. Ah ouais, ça change tout. Franchement, bien fondard comme jeu. Gameplay facile à prendre en main, très fun, efficace, tout ce qu'il faut. Donc je vais le préciser, ça sort le 5 juin sur Xbox One, au tarif de... Je vais quand même vous dire ça exactement, je crois que c'est 11 euros. Non, ça sort le 6 juin, donc
Non, pas vendredi. Attends, c'est quel jour? Là, le premier. C'est mercredi. Mercredi prochain, donc. Attends, donc le 6 juin 2018, sur Xbox One, tarif de 11,99€. Et vous avez 10% de remise. Encore quelques jours. Profitez-en pour cette promotion. Le jeu à 10,80€ en gros. Le 12. Faites-vous plaisir. Le jeu est franchement bien fun à jouer. Est-ce que les ennemis arrivent de façon illimitée dans le combat de boss, ou est-ce qu'ils sont limités quand même? Je me demande. Ouais. Ouch, je suis trop rapproché. Là, pas du gain, forcément. Ah donc ça se consomme pas en fait les trousses de soins, d'accord, c'est automatique. Ça te refile une vie directement. Le pentagramme, ça sent le boss. Le pentagramme satanique. Vague 5. Vague finale peut-être du niveau. Wow. Non, ça c'est le boss. Avec des petits éléments de...
Shmup, c'est sympatoche. Ouais, enfin, par contre, est-ce qu'il fait deux boss plus les boulettes, c'est quand même pas évident, quoi. Ça, ce serait mieux. Je vous rappelle qu'il y avait aussi quand même pas mal de petites séquences shmup avec Xenon Valkyrie Plus pour le boss de fin, ouais. Pour le fou, j'adore ça. Tout ce qui est shmup, bullet hell, tout ça, ouais, j'adore. Qui est quand même sacrément insistant le boss. Wow, c'est que c'est un peu dégueulasse quand même. Ah, le boss est quand même pas facile, hein. C'était pas bon au jeu de shoot comme ça. Les boss sont pas évidents. Autant les vagues encore, c'est quand même plutôt simple. Ça va, c'était l'équipement qu'il faut, ça va, ça passe. Mais les boss, c'est pas la même chose. Ils sont quand même longs pour ça tuer. Succès déverrouillé, 100G, story, stage 1. Premier de stage 1, en histoire. Tac. Il y a 6 stages dans le jeu, j'ai vu. Après les succès. Notre équipe s'agrandit. Nous sommes 3 maintenant. Alors, est-ce que je peux me livrer le personnage ? Ok. Alors, est-ce que j'ai le niveau ? Je suis pas sûr, parce que là, je commande, je fais très peu de dégâts. Ah, ça bouge. Ah, maintenant j'ai 5 vies. Attends, j'ai pété le crâne, ça fait quoi en fait? Rien. Bon, une fois, elle a pas du bien. C'est la hitbox, elle est bizarre. En gros, la hitbox du personnage du géant, en fait, elle est quand même vachement grosse. C'est tout le personnage. Et puis, tu peux quand même passer au-dessus de l'ennemi. Logiquement, ça devrait pouvoir passer avec la perspective, mais non. C'est bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. En gros, les approchez pas. C'est mieux. Enfin, là, je passe pas si vite.
Oh, c'était un mur. Ok. Merde, et voilà encore une fois, bah voilà. Je pense qu'on va passer derrière le bras. Ça ne marche pas, tu peux pas. C'est un peu dommage. Ouais, bah, c'est à quoi prendre, une fois que tu connais le truc, à quoi tu... deux fois. Je pense à galérer là. Je galère, j'ai plus... j'ai pas assez de niveau. Je pouvais pas, c'est pas possible. J'ai pas le niveau. Collectibles, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. 10 types de collectibles différents, j'en ai récupéré 2 d'un certain type. Je sais pas à quoi ça sert du tout. Aucune idée. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'améliore un personnage ou est-ce que j'en achète un? J'ai pas fait ça. Alors, leur spécial, c'est quoi? Magnet. Pour attirer les pièces, j'imagine. Argent x2. Ah, pas mal ça. Vie x2. Ce droit d'un coup, je sais pas. Faut quand même pas mal de thunes. Je sais pas quoi faire du coup. Est-ce que je l'améliore ou est-ce que j'économise pour acheter un autre personnage? Est-ce que ça vaut le coup? Il me tâte quand même. Elle est pas débloquée. Elle. Bon allez, je vais quand même l'améliorer. Ce sera préférable. Niveau 7. Je crois que le niveau max dans le jeu c'est 20. Ça va quand même assez vite, ça va. Stage 2. À l'ancien, mais la cadence a d'être augmentée, on dirait. Ouais, car beaucoup plus vite, on dirait. Ouch. On va récupérer les pièces. Bon, c'est déjà quand même plus gérable que tout à l'heure. Aïe aïe aïe. C'est quand même assez ouf. Faut que je pète sa mouille. Voilà, vraiment c'est good. Je
collectible. Je sais pas quoi ça sert, mais c'est pas grave. Là je sens que ça va passer. Je le sens pas du tout. Une vie. Un élément squelettique qui va me poser le problème. Crâne, bras, encore un crâne. Il me lance plein de boulettes. Aïe 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 aïe. C'est vraiment chaud. Ah, c'est tout pété à l'écran, ok, pas mal la dynamite. En gros, c'est une sorte de bombe. Je la sens pas la vague 4, je la sens pas. Ah le petit spoon kill, super. Oh, récupérer 558, ça va, ça paye. Plus t'avances, plus ça paye. Direct les ennemis, c'est cool. Instant kill. Un peu dommage que du coup le squelette ne lâche pas de loot quand il meurt. Je sais pas comment je suis passé. Bon, ça va. Heureusement, le bras est quand même pas très résistant par rapport au crâne. Parce qu'il est quand même assez relou. Faire beaucoup de boulettes. Voilà. Ah.
déteste être coincé en bas de l'écran. Je viens de pas te reculer. C'est tendu. Pourquoi je suis le cactus? Je sais pas trop en fait. Faut pas avoir une vie bête. Si je peux aller dedans, bah ça va. Parce que je me dis, ouais, je passe comment sinon c'est un peu tendu. Pas beaucoup. Ah ouais. Par contre, niveau lisibilité, c'est pas génial là. Oh cool. Franchement, le jeu est quand même vraiment très sympa. Attendez, un jeu basique, assez classique dans le style, hein, voilà. Bon, vraiment, ouais, il est quand même assez basique, mine de rien. Restons honnêtes. Mais il est extrêmement fun. Vraiment addictif. Donc il fait les choses simplement, mais il les fait bien. C'est tout ce qu'il faut. Un bon gameplay, un jeu bien facile d'accès. Et pourtant, quand même pas facile du tout. Un gameplay très souple. Sur le boss avec une seule vie, c'est tendu. Hein. Et le pattern change, forcément. C'était pas une petite vie cachée là-dedans, c'était génial. Ah. Ça aurait pu. Que je vais y arriver, j'y crois pas trop. J'ai pas confiance. Ah ouais, d'accord, il repousse ses bras, super. Bonjour le traquenard. Ok, il a évolué. Phase 2. Il est quand même très basique pour l'instant le boss en tout cas. Avec deux patterns. Ce genre de tir et puis les grosses boulettes bleues. Eh oui, mais là, forcément, ça fait bouclier. On va rester ici, je pense. Taper direct le boss. Ouf, vous allez mourir, je crois. Oh, j'ai eu chaud. Succès déverrouillé. Sans jet, dernier le stage de notre histoire. Oh yeah. Parfait. Niveau 3. Qu'est-ce donc? Une faille dimensionnelle. Et un nouveau personnage. Je crois que c'est la fille un peu sexy de la jaquette. Le futur! Mmh.
Donc en gros, le démon a... est devenu de plus en plus fort au fil des années. Tellement puissant que du coup, il pouvait rien faire, je pense. Donc du coup, ils sont venus dans le passé pour essayer d'éliminer le boss quand il était plus faible. Oh, un niveau avec des véhicules, ça serait cool. Classe. Voilà qui varie un peu le gameplay, c'est cool. Par contre, pour récupérer les pièces, ouais. C'est un peu la merde. T'as pas le temps de les récup. L'ennemi soit mort en face de toi en fait. Ah non 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 non, j'ai plus de vie. Ah oui, forcément les vies se conservent sur toute une partie. Et oui. Allez, une cradon. Allez hop, niveau 11. Stage 3. Est moins large maintenant, mais plus puissant. Bon, non, juste ce qui est bien, c'est que les améliorations coûtent quand même pas trop cher, donc t'as une évolution quand même assez facile pour l'instant. Et surtout, c'est une amélioration qui se voit, elle est vraiment visible. Le tir change, puis même au niveau des dégâts que tu infliges, ça se voit d'un niveau à l'autre. Ça, c'est génial. Non, la vie! Ah, j'ai une vie.
Hop, désolé, j'ai un coup de fil à passer. Me revoici. Et voilà, boss battu, niveau terminé. Non, pas déjà quand même. Ouh, il y a pas une bonne vision ici. Ah, c'était que la vague. Ah oui, d'accord. Franchement très fun ce petit jeu, je crois pas que je vais le lâcher tant que j'ai pas les 1000 G dessus, tous les succès. Faut pas être très long quand même je pense. Il y a des potes qui l'ont fini en quelques jours. Un ou deux jours en général. Soit assez rapide je pense. Ah puis le jeu était vraiment très sympa. Franchement j'aime beaucoup. Avec un côté vraiment très rétro au niveau de la bande son, des graphismes, tout ça. Avec un gameplay vraiment très fluide. Assez moderne. Une petite shooter oblige. Hein. Hop, transition, vague 3. Ok, déjà au boss. Mais c'est que ça se corse un peu là quand même. Et ouais, c'est pas évident. Aïe aïe aïe. Pas facile le boss. Hein. Il attaque non-stop. Bah, t'as pas de temps mort. Heureusement que le défilement des boulettes est quand même assez lent. En fait ce qui pose problème c'est pas le boss en lui-même, c'est les ennemis. Il y a tout le temps. Laissez-moi tranquille. Je veux juste fumer ce boss. En tout cas heureusement aussi que la lightbox elle est pas énorme. La lightbox je crois que c'est juste mon personnage, pas le véhicule, donc ça va. Aïe aïe aïe. Ah il est quasi mort, c'est bon, ça va passer, ça va passer. Bon ça va, il est quand même pas trop dur. Il faut juste quand même être bon pour viser au boulet. Ça passe. Et bloop, succès déverrouillé. Story stage 3. Yeah. Complete stage 3 in story mode. On a fait la moitié, c'est bien. Ça finit en 40 minutes, ça va. Ok. C'est parti pour le niveau 4.
Merde. Ah, ça, je l'ai pas vu venir. Ok, j'ai fait le mauvais. Ouh, pas mal le tir. Ah la lave, merde. C'est dommage, j'étais fou là, j'ai pas eu aucun seul coup. Sûrement juste un seul coup du décor. Merde. Quasi à la fin quand même, de la vague. Pas du niveau, juste la vague. Ouais.
qu'est-ce que je me suis bouffé? Je sais même pas. Pas évident ce stage. Ouais, j'ai fait le mauvais, non mais j'avais la flemme de continuer de toute façon. J'ai fait un mauvais départ. C'est quand même pas évident. En fait, faut que je me focus moins sur les... sur l'or, plus sur les ennemis. Je pense trop à récupérer l'argent chaque fois et pas bon. C'est pas bon. Je me fous en danger à chaque fois. Mais étant quand même de survivre, ensuite se faire des sous. Parce que là j'ai quand même les moyens de faire le niveau, y'a pas de soucis, là j'ai quand même un sacré niveau. Niveau 15, c'est bon. La lave, je fais jamais gaffe. Je suis trop mauvais. Ah non, putain, non, non, ça, je suis pas d'accord. Et dans ce jeu, j'aime pas comme les hitbox, elles sont bizarres. Moi, elles sont pas réalistes. C'est abusé! Ils sont trop nombreux! Combo de sang! Ouais, c'est chaud quand même!
bon, le jeu est quand même pas dur pour autant, quoi. Après c'est juste... c'est comme du roguelike, il faut mourir pour recommencer avec un meilleur équipement et puis ça passe, quoi, ça passe. Il faut juste recommencer. Avec un meilleur stuff. Ça passe tranquille. Soit le jeu est quand même pas si dur. Ah non mais là c'est ouf. Niveau 17. Récupérer 5 types de collectibles sur 10. Quasiment niveau 20. Voilà, encore un essai je pense. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Faut pas non plus jouer à Outlaws, hein. C'est pas la peine, après tu te prends la tête et tout, non c'est pas intéressant. Faut jouer un peu par-ci par-là, tranquillou. Vous pouvez me recommencer la même chose à chaque fois en plus. Mais moi, pour ce qu'on me kiffe, non. Je suis pas fan de roguelike en général. Pas fan parce que à chaque fois il faut tout le temps recommencer tout ce que tu as fait. Depuis le début en général, bon là c'est que le stage en cours, ça va. Et ouais, c'est des jeux que je joue à petite dose en général. Je passe pas les 1 à 2 heures de jeu. Donc là c'est quand même très répétitif. Et après tu te lasses du jeu. Alors que la petite dose par-ci par-là, franchement, non, c'est cool. On va quand même recommencer sous de meilleures conditions. Merde non, pas le bon stage. Non, non. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Cette boucherie. Ah non, il y a une vie, faut que je la récupère. Heureusement qu'elle était pas dans la lave. On était un peu deg. C'est génial. Pas toucher la lave. Pas la toucher, hein. Pas comme à chaque run. Stop, cool. Jammer, j'aime pas faire gaffe. Ok.
Ah non. Non, 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 non. Non. Je les aime brûler. Brûler sans ennemis dans le même niveau. Hey buddy, what's new? C'est pas cool. Je vais crever. J'ai même pas de power up. No. Histoire. Transformers Gamers Best. Spartan finished. Yeah, grats buddy, grats. I knew you could do it. As usual. Nothing can stop you. Don't go through the pain I want. Ok. Seems okay to me. Like, where are my friends? Still not a game for me. Nope. I don't want this one too. And it's not in the French marketplace. So, I can't grab it. Thanks. That's not hard or anything. One of the worst games along with my friends and Alteric. Okay. Yeah, I saw the sale. It was one or two weeks ago, I think. If I remember correctly. Yes. But even for $1, I don't want it. Please, no. Yeah. Or five. Cheeseburger at McDonald's. I prefer this game. It's quite simple, but very fun. Addictive. I very liked it. Nearly one shot everything, so it could be good. Yep, it's way better like this.
already dead. Amazing. No. The hitboxes are too big. Wait. No. Okay, Zach. I think a lot on this run. Don't think I will defeat this level. Not right now. Die, die, die. Ah, non, c'est impossible. Oh. Là, une max level, this character. Level 20. Level max, and then only at stage 4 of 6 for the story mode. I don't imagine the real pain. For the later stages. Yep, should be fun. Thanks for Fox and Forest. Oh, it's pretty easy. I completed it in 7 or 8 hours. I don't remember correctly. It's very easy, but you need to search everything in all levels for the completion. Yep, but it's very easy. I played the game on normal, and it's very easy, yes. It's an easy completion under 10 hours. 10 hours max. Tale of it. A very good old action platformer. Back in the SNES. I love my shot. So big, so speed, so powerful. I love it. Oh, that was quick. Very quick. Another collectible. Who's less? It's only for gold, I think.
there's no chivos in the tent. Ouch. I'm in slow-mo. No. I need slow-mo for this part. No, 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 no. It's impossible. Even with the max level character, it's impossible. Just hope that next characters will be better. Or maybe with this weapon. It's very pricey. Very, very pricey. Let's do it the last time. After that, I need to do it. Yep, no problem. Fox Forest, nous devons plus d'autres de guider. Guide. Most of the achievements are pretty straightforward. Just search everywhere in all levels. Collectibles. And it should be easy. It's a good game. Oh yeah, it's nice. The only bad point for me is the price. 20 bucks is too pricey for a 6-8 hour game. But for the game itself, it's very good. You will love it. I'm sure of that. Bon, on est reparti pour la galère. Allez. C'est pas bon du tout. Allez merde. Je veux le gold. J'ai plus de vie. Un hit peut-être déjà. Collectible, on s'en fiche. Mais les items, pas des collectibles. Ça sert à rien. En tout cas, il y a un cap de difficulté vraiment qui est... Ah ouais. Ça c'est chaud. Stage 1, 2, 3 était quand même plutôt fastoche. Il n'y a pas de gros challenge à part les boss. Et encore. Et encore. Mais ouais, le stage 4 il est ouf. J'espère qu'il est pas très long. Il n'y a que 3 ou 4 vagues grand max.
fait que je galère à la 2 et à la 3. Alors que j'ai un personnage de max en plus, je le rappelle, je suis niveau 20 sur 20. Il y a trop d'ennemis d'écran, les boulettes sont trop vite. Ah merde, 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 merde. Il a spawné dessus, je pouvais rien faire. Bon allez, on va quand même essayer un autre personnage. Ouais. Et après, ouais, là, il faut 5000, 10000. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les stats des personnages avant de les acheter. Ou quand on les améliore. Bon alors je me tâte, je pense que je vais quand même acheter Chloé. Mais en même temps je me dis j'aurais quand même bien économisé pour la sulfate là, enfin je sais pas ce que c'est quoi le double sulfate là, ou je sais pas trop quoi. Mais 10 000 ça peut quand même être pas mal du tout. Allez, soyons fous, on va l'acheter. Sans tous les cas, il faut quand même débloquer tous les personnages et mettre tous les personnages minimum max, je crois, pour avoir tous les succès. Donc, pour tous les cas, hein, voilà. Je suis plus niveau 6, ça va être tendu, hein. Ça va être très tendu. Ah ouais, super speed, ah ouais. Elle est très speed et son attaque est très rapide aussi. Donc les stats c'est quoi en fait concrètement? Alors il y a donc vitesse de déplacement, vitesse de tir, delay. Delay c'est quoi déjà? C'est report non? On va aller voir sur Google Trad. Delay c'est report il me semble. Ça veut dire quoi concrètement sur un comme ça? Ouais retard. Je sais pas. Je sais pas. Et après dégâts. Ah oui, il a fait moins de dégâts par contre, ah oui. Ah, j'ai acheté ça. Ok, elle est speed, mais pas puissante du tout. Ouais, non, c'est même pas la peine. Ouais. J'ai fait une dépense un peu inutile. Bon, ça va, l'argent monte assez vite quand même. Ce sera quand même pour les succès. Faut tout acheter. Bon, essayons ce petit mode survie. Et après ça, j'irai rallier.
on se retrouvera après manger pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui est sorti aujourd'hui, que j'ai reçu il y a déjà 2 jours je crois, que j'ai pas eu le temps de tester. C'est Light Beach Pier, je crois, dans le genre. Un jeu de lancer de lance. Ce que j'ai pu voir, c'est un peu what the fuck. Je sais pas trop comment le décrire. C'est assez. Ouais, c'est vraiment très barge. Ça peut être fun, j'en ferai un stream assez court ce soir. Enfin, pour manger. Parce que ça intéresse. C'est un jeu à 10€, je crois bien, ouais. 10€ le 12 en ce moment, en promotion aussi. Ça peut être sympatoche. Ah, c'est que la vague, ça? Non, si. Bon, en fait, concrètement, le but de ce mode de jeu, c'est quoi? Parce que c'est juste une vague, en fait. Enfin, une arène. On peut survivre. Un peu comme tout le mode principal du jeu aussi. Le mode histoire. Par 4, ça va. Pas de vrai. À part qu'on peut en choisir en même temps. On dit du scoring, ça c'est fun. Bon, l'écran de jeu est quand même vite envahi. Ah, c'est ouf. Comment tu veux faire face à tout ça? C'est vraiment ouf. Une montre, je veux la montre. J'ai failli crever avec ces conneries. Pourquoi je suis allé ici? J'ai vu la merde dans laquelle je me suis foutu. Laisse tomber. Ouais, ce mode de jeu, franchement, ouais, je suis pas très fan. Ça très vite son. Ça pas vite son intérêt quand même. Alors, on va voir, il y a marqué quoi? Mode infini, survie autant que possible dans ce cauchemar. Ouais. Essayez de faire des combos plus longues pour doubler vos dégâts. Ah ouais. De gros scores dans le leaderboard. Alors leaderboard du coup t'as quoi? Arcade solo. Arcade coop. J'ai pas d'amis qui veulent jouer à ce genre de jeu avec moi donc non. C'est rare que mes potes veulent jouer à des jeux de shoot, des twin stick shooter ou des shmups. C'est rare. Survie solo. Survie coop. Okay. Je suis classé où du coup? 13ème. Sur pas beaucoup, hein, je pense. Ouais, quand même, 42 personnes. Pour des mecs qui ont fait 0. Je sais pas comment ils ont fait, mais bravo à eux. Ah, il y a quand même du 800 000 points. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tiens, maintenant quand même les succès vite fait. Alors. Terminer les 6 stages en mode histoire, mourir une fois. Terminer le mode arcade, donc faut quand même terminer aussi. Survivre 5 vagues au mode survie. Débloquer la MK1000, débloquer la tourelle. Débloquer les personnages. Augmenter 4 persos au level max. 4 sur 6 ça va donc c'est pas tout. Brûler les 100 ennemis durant un run, ça je l'ai eu. Électrocuter 30 ennemis durant un run, ça je l'ai pas eu, je sais pas comment tu veux. Arme spéciale, peut-être la MK1000. Terminer le stage 4 en mode histoire sans utiliser aucun spécial. Ah d'accord. Ah ouais. Et pourquoi le stage 4? C'est le plus dur, c'est ça? Il y aurait un collectible de chaque type. D'accord, donc ouais, avec un succès pour ça, je sais pas. Donc voilà, donc je suis presque. Je suis à 8 sur 10. Et voilà. Voilà pour les succès de ce jeu. Oui, donc c'est pas très compliqué. Peut-être le stage 4 sans item. A voir après quand t'as les grosses armes et des personnages plus améliorés, peut-être. J'ai le personnage tout premier, peut-être aussi le plus faible, je sais pas. Je pense que je vais quand même économiser pour la MK1000, peut-être pas mal. Ouais, ça me tente bien.
Bon, du coup, c'était Riddle Corp 6X. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça sort donc le 6 juin 2018, donc sur Xbox One. C'est sorti depuis au moins 2 ans, si ce n'est pas 3, sur PC. Bye. Voilà. C'est donc développé par Cowcat. Non, développé par Diabolical Mind, édité par Cowcat. Ça sort donc au tarif de 11,99€, en promotion à 10,79€ exactement, pour encore quelques jours. Donc faites-vous plaisir, précommandez-le dès maintenant si vous pouvez, si vous le voulez. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vais aller grailler, amusez-vous bien, bonne soirée et à très bientôt. Ciao ciao.